Salut tout le monde, c'est Tonutok qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus longs ponts du monde. Le pont de Yangkun obtient la 10ème place du pont le plus long du monde grâce à ses 35 812 mètres. Ce méga projet se situe dans le district du Yongqing en Chine. Il assure la liaison du train à grande vitesse entre Pékin et Tianjin. En 10ème position, nous retrouvons le pont du Marimanchak. Et si le pont du marais de Manchac porte ce nom, c'est précisément parce qu'il se trouve sur un énorme marais, le plus grand marais des États-Unis au passage. Ce pont de Guizhan existe depuis 1979 et il est composé en réalité de deux ponts parallèles en béton avec une longueur totale de 36 710 mètres. En 8ème position, nous retrouvons le pont de la chaussée du lac Pontchartrain. Et si le pont précédent était le second plus grand pont des États-Unis, voici naturellement le premier de ce pays. Il s'agit du pont de la chaussée du lac Pontchartrain en Louisiane, lui aussi. Comme le pont du marais de Manchac, il s'agit d'un double pont en parallèle qui relie la ville de Mandeville à celle de Metheny. Il mesure 38 422 mètres de long. À la 7ème place de ce classement des ponts les plus longs du monde, on retrouve le plus long pont maritime du monde. Il s'agit du pont de Weiman en Chine, qui se trouve dans la baie de Jiaozhou à Qingdao. Il mesure 41 850 mètres et a nécessité plus de 10 000 travailleurs pendant 4 ans pour venir à bout de cet impressionnant ouvrage. En 6ème position, nous retrouvons le pont de l'amitié Qatar-Bahreïn qui relie le Qatar au Bahreïn, qui lui a une utilisation routière, mesure plus de 45 km. Toujours en Chine, le célèbre grand viaduc de Pékin arrive à... En 4ème position, nous retrouvons le pont de Bangna Expressway qui lui mesure 54 706 mètres. Il s'agit en réalité d'une autoroute qui se situe dans la ville de Bangkok en Thaïlande. Les Chinois semblent être les maîtres dans l'art des plus grands ponts du monde, car à la 3ème place se trouve le grand viaduc de Huainan-Wei. Il s'agit d'une liaison ferroviaire entre Zhengzhou et Guiyang en Chine. Ce pont mesure pas moins de 79 732 mètres. En 2ème position, nous retrouvons le grand viaduc de Tianjin, qui est connu dans le monde car cet ouvrage titanesque mesure plus de 113 700 mètres. Ce pont ferroviaire relie les villes de Langfang et Qiangtian, qui fonctionnent depuis 2011. En première position, nous retrouvons le pont de Jiangyang Kuensane, qui, on croyait avoir atteint une limite après le pont précédent, et pourtant la Chine montre à nouveau son savoir-faire avec un autre pont terminé la même année en 2011. Il s'agit du pont de Danyang Kunsham, qui relie sans surprise ces deux grandes villes chinoises. Il obtient le titre de pont le plus long du monde avec une longueur de 164 800 mètres. Il s'agit d'un pont ferroviaire inclus dans le tracé de la ligne à grande vitesse entre Pékin et Shanghai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Lien de la page Facebook et de mon compte Instagram est dans la description. Et maintenant je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve pour un nouveau top la semaine prochaine.